Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Ah, ce jeu qui il est phénoménal, encore mieux que le premier Donkey Kong Country. Je vous rappelle qu'il est disponible en let's play complet sur mon épisode, sur ma chaîne. Voici ce nouvel épisode où l'on déboule dans la caverne de Clapper. C'est parti, on approche du château. Viens, Dixie. Ah, je vois, c'est lui le petit Clapper. Ok. Alors, oh, bah regarde. Toujours regarder un petit peu ce qui se passe. Le piège. Allez, on commence bien comme ça. Trouvons ce jeton. Ok, alors surtout pas tomber. Oh, pas si difficile que ça! Franchement. Oh! Eh ben, il y avait un B là en plus. C'est atteignable si. J'ai l'impression qu'on ne peut l'avoir que si on a trouvé la zone secrète en fait. Ah, d'accord. Trop bien! Fallait passer en dessous. Trop bien pensé. Donc si je tombe dans l'eau, c'est foutu. Alors attention. Ah, la difficulté vient du fait que... Voilà. Bien. Ah. C'est un peu labyrinthique. Attention. Hé ! Ah là. Yes. Allez. Pauvre bête. Oh, on peut pas faire ça à un poisson quand même. Attention. C'était juste. Merci la queue de Dixie, hein, bien pratique. Ah, attention! Ok, le salon du maillon. Ça me dit rien, mais bon, ça me dit rien qui vaille non plus. Allez, on observe. Hey. Vous pensiez m'avoir? Je suis pas allé la dernière pluie, hein. Moi les joueurs, je les connais. Donc retour au château de Kerul. Enfin, capitaine. Bon là-bas c'est des bananas.
Peu me chaud les bananas. Tu vois? Hein? Sale bête. Rien. Je suis dégoûté. Une vie, quoi. Oh, c'est tapé sur le retour. Attention. Voilà. Je vais le trouver, votre jeton. Ok. Allez, encore. Oh, purée. Ah, ça se resserrait. L'addiction aurait été très utile. Ah bah tiens. Jamais là quand on a besoin d'elle. Ok. Tu peux planquer plein de trucs ici, n'empêche, hein. Tellement d'endroits à voir. Ok. Ouh, un peu trop vite. Ok, taré. Merci, Lily. Ok. Sale bête. Ouh. Attention. Ouah. Mince. Mais me découpe pas. Je suis pas un salami. Voilà. Zou! On va passer par là, c'est plus simple. Mais ça se trouve, il y a peut-être un truc de l'autre côté. Oh, tant pis. De toute façon, il faudrait que je le refasse. J'ai pas eu tous les. J'ai pas réussi à choper le niveau de tout à l'heure. Le bonus. Voilà. Allez. Hein? Ça va être effroyable. Ça va être effroyable. Ok, voilà.
Hop. Bon, ça, c'est pas dur du tout. Bon, en vrai. Ah. Oh là 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 là. Voilà. Une fois qu'on est ici, c'est bon, on est tranquille. Et là, il faut juste... Bande de psychopathes. Ok. Ah ! Ok, vas-y, remonte, 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 vite, 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 vite. Qu'à attendre qu'elle repasse. Ok. Allez, 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 allez. Ouh. Ok. Mes bananes. Je vérifie. C'est bon, rien de caché. Il est long ce niveau ? Ah ! Ils sont dangereux. Oh ! J'ai pas vu le decay. C'était quelque chose, hein. Oui, je veux bien le bonus à Gogo de Swanky, là, parce que franchement... Par ici, j'ai trois jeux fantastiques à vous proposer. Prenez bien le temps de choisir. Oh putain. C'est vrai qu'il faut payer. Désolé. J'espère vous revoir parmi nous la semaine prochaine. Et honnêtement, s'il faut payer, je préfère payer une sauvegarde parce que c'était un peu douloureux. Ok. Merci, Wrinkly. La tour toxique, voilà. Alors... Dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, j'ai parlé d'un niveau assez horrible. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il m'avait vraiment marqué. Et je pense qu'il a marqué tout le monde. Alors, voyez, il y a... Comme vous voyez, du poison en bas. C'est pas le seul problème. Le problème, c'est qu'il monte. Et on n'est pas sur une jouabilité classique. Puisqu'on est transformé en animal. Ok. Ok. Je me demande s'il n'y a pas un truc à où descendre là, mais bon, c'est pas grave. On va déjà essayer de finir le... Le niveau avant de chercher les bonus. Ok. Ça va vite, hein, voyez. Le poison est déjà de retour. Alors que je pense avoir une bonne vitesse. Et là, on change.
Je parle pas beaucoup parce que là je suis hyper concentré. Un coffre si vous... un tonneau. Je m'en fous des bananes. Je m'en fous des bananes. Le G. Oh non. Dommage. Oh, j'étais super bien parti. J'étais super bien parti. Bon. C'est pas grave. Je vois à peu près où il faut aller. Ah, c'était cool. Franchement, c'était pas honnêtement, pas encore si dur que ce que je pensais. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Ou alors j'ai vraiment monté de niveau par rapport à quand j'étais gosse. Pas être trop pressé non plus, tu vois, c'est pas utile. Ok, en voilà une, en voilà deux. En voilà 3. Joli. Voilà, pour gagner du temps. Oh, j'étais vraiment juste à la fin en plus, deg. Oh, mais c'était pas si dur. Ça m'avait traumatisé pourtant à l'époque. Eh ben, alors le problème c'est que j'ai plus de points pour... j'ai plus de points pour sauvegarder. Ça c'est dommage. Je réfléchis, est-ce que je prends l'avion? Non, voilà. Confrontation au fort. Ah bah Donkey, t'es là! Ah bah c'était pas si simple. Ah. Le croco volant. Sprint de Screech. Il essaie de s'enfuir. Ok. Oh, je déteste ça. C'est joli. C'est très bien le petit effet automne sur ce... Bravo! Le lancer devant, le lancer au-dessus. Très judicieux. Je noterai qu'il y a une banane ici. Pour quelle raison? Je ne le sais. Oh non, je suis mort. Même pas. Oh le bol. Je pensais vraiment qu'il allait me balancer dans les... Ok. Respire. Comment je vais récupérer ces trucs-là?
Ah, bah non. Ça va être lui qui prend les boulets. Bravo. Ok. Bizarre. Plein de trucs que je comprends pas dans... Oh, une course ? Blague. Genre j'ai le temps de faire la course quoi. Donc il se fait kidnapper et je fais une course. Oh j'ai failli toucher le... J'ai pas pris le bon chemin. Bah j'arrive en retard là, forcément du coup. Je suis mort parce que je suis arrivé deuxième ou je suis mort parce que j'ai touché le... Les épines, je ne sais. Allez. La musique est géniale. Quelle maîtrise. Je m'impressionne quand même. Hein. Dommage. Non. Non. Dommage. Ah, j'étais bien là, j'étais bien. J'étais très bien. On l'a refait. Allez. Non, ici faut. Allez. Ah. Ok. Non. Stupide volatile. Je t'explique, si t'y arrives pas, c'est pas très grave, faudra juste refaire la tour toxique. Hein? C'est pas très grave du tout. Donc tu vas te calmer. Ok. Ah mais... Tire avant de, d'avancer.
l'impression qu'il hésite un peu plus là. Premier. Eh ben... Ah oui, je sauvegarde avec plaisir. Si vous voyez Karoul, demandez-lui s'il a bien révisé ses leçons. Faut payer ici la sauvegarde en plus. Allez, ciao. Y a pas d'autre niveau, tiens. Direct le duel. Et sinon les vols. Duel avec Carol. Avec son tromblon. Son tromblon qu'il utilise dans Smash Bros. C'est de là qu'il vient. J'adore ce personnage. Il y a le let's play hein, de... Oula. De Smash si vous voulez. Je m'en souviens à peu près. Oh oh oh. 1. 2. 3. Voilà. Ok, alors là par contre... Allez, donc qui ? Oh. Oh purée, oui. Là, je me souviens. Il a une manette dans son... Oh, ça va pas la tête. Oui, manette de Super NES. D'un moment, pas de miracle. Oh non! Allez. Oh. Ah, cool, merci. Ah. Besoin de Dixie. Ralenti. Ok. Oh purée, ça fait quoi ça? Inversé. Je me suis fait avoir. Ah, c'était pas mal franchement pour un premier essai. Je suis assez content. Allez. Il est long hein. Oh putain, con.
Merde. Ah, c'est con. J'ai peur de me taper l'autre en glissant. Je joue avec Didi pour garder Dixie après, pour les fantômes. Allez. Ok. Il me faudrait vraiment Dixie pour les fantômes. Là, faut pas se mettre trop au bout. Ok. Bien. En plus, Didi, il vise mieux pour... Oh, c'est chaud. Il peut rester le tonneau ou pas? Il a l'air de pouvoir rester. Et là, du coup, fantôme... Yes. On n'a pas eu. Ok. Ça fait déjà 3 minutes de combat. Hein. Voilà, Dixie. Grâce à ça. Voilà. Non! J'ai pas été assez rapide. Ok, bon, c'est pas grave. C'est grave. Je me suis trompé de bouton, j'ai inversé. Les boutons sont inversés, donc du coup j'ai inversé dans mon cerveau. Allez. Un boss de longue haleine, hein. Et on n'aura pas fini le jeu après l'avoir vaincu, hein, parce que je vous rappelle qu'il faut récupérer tous les jetons, tous les trucs d'IK. Passe deux fois, la loup. Non. Ok, bon. J'allais dire, y'a pas de coffre. Enfin, de coffre de tonneau. Ok. Allez. Cholastico. En vrai, on peut passer en dessous de quasiment tous. Voilà. Il y en a juste deux au-dessus desquels il faut sauter. Ah.
C'est dommage, j'aurais pu avoir un tonneau de secours là. Quel vicieux. Attention. Voilà, on n'a pas eu. Je commence à te connaître, hein, mon gros. Ok. Les filles vaincront. Très bien. Ah mais... Il aspire trop fort là. Dis-moi que c'était le coup final. Yes! Ou pas. C'est bon. Bravo Donkey! Aïe aïe. Ça fait mal. Je savais bien que mon petit Diddy allait réussir. Comment peut-il en être autrement puisque c'est moi, Cranky, qui lui ai tout appris. Bah, moi j'aurais bien voulu que ce soit Dixie qui gagne. Dommage. Vous avez sauvé mon bon rien de petit-fils et balancé K-Rool dans son mari pourri. Pas mal pour un petit bleu. Doudoudou. Évidemment, si j'avais été le joueur, je me serais arrangé pour que K-Rool ne me fasse pas la même crasse deux fois de suite. Moi, j'aurais trouvé toutes les pièces crème et terminé votre fameux monde perdu. Vous ne pensiez pas tout finir au premier essai. Au fait, combien de pièces de mon spécial héros du jeu vidéo avez-vous trouvé? Il va sans dire qu'un joueur expérimenté comme moi aurait tout découvert. On est dessus, t'inquiète pas. Alors, voyons comment vous en êtes tiré. Enfin, j'y ai droit à mon deuxième écran. Silence, racaille, que je donne les résultats tant attendus de mon prestigieux héros du jeu vidéo. Alors, petit gars, vous n'avez pas trouvé toutes mes pièces? Pour un héros, vous en avez encore des choses à apprendre. Alors, regardez, il y a Link en troisième, Yoshi en deuxième, Mario en premier avec 39, il faut les 39, j'en ai que 17. Pour vérifier vos progrès limités, c'est évident, appuyez sur L et R lorsqu'un écran carte est affiché. Et vous voyez, près de la poubelle, il y a les chaussures de Sonic et le pistolet de Air 4Gym. Lâchez-moi un peu, essayez plutôt de trouver mes pièces. Tentative voie à l'échec avec vous. Donc il se moque de Sonic et de Air 4Gym. Le casting des personnages. Lazy Landlubbers, donc ceux qui traversent au sol et qui sont paresseux. Nick. Le petit rat de l'opéra. Clic-clac. Les Spinny. Cat on Nine Tails. Le chat aux 9 queues. Flitter. La petite libellule. Mini Nicky qu'on avait déjà vu dans le premier Donkey Kong Country. Mais il a un bandana cette fois-ci parce que le pirate. Zinger. Présent lui aussi auparavant. Screech. Ah, méchant. Alors, les créatures submergées. Flotsam, la raie. Flotsam, Jetsam. C'est les méchants dans La Petite Sirène. Shuri, comme Shuriken. Puff-top. Lockjaw. Snapjaw.
Bah, c'était pas Clapper son nom? Ah. Les Kremlings. Klomp. Donc le Kremling de base qui a une jambe de bois parce que thématique des pirates. Klinger, donc celui qui s'accroche, une nouveauté. Kaboing, celui qui rebondit. Clampon. Donc une reprise du premier Donkey Kong Country mais différent, il est un peu plus gros. Clobber dans son tonneau et ses variantes. Hein. Crook et ses crochets. Relou lui. Cutlass. Cloak. Cloak, c'est une veste, c'est marrant. Cannon. Ah, il a eu du mal à avancer lui. On le fait glisser du coup. Cruncha. Clank. Ah oui, eux. Cackle, les fantômes. Clabba. Ah bah oui, mais c'est un gentil, lui. On est chez lui, d'ailleurs, là. Va falloir qu'on lui donne des pièces pour avancer. Alors, les boss. Crow. Cleaver. Un boss original par rapport aux autres. Hein. Une espèce de... d'épée fantôme. Cudgel. Bon, qui est une recoloration, évidemment, de Clubba. King Zing. Le capitaine Carol, bien sûr. Les copains animaux. Rambi le rhino. En garde, l'espadon. Ratli le serpent. Squitter l'araignée. Qui est trop mignonne. Clapper. Ah mais non, c'est lui Clapper. Bah oui, qui applaudit Clapper, c'est applaudisseur. Squawks. Clapper l'otarie. Squawks le perroquet. Glimmer le poisson lanterne. Le clan Kong. Swanky Kong, le présentateur télé. Funky Kong, qui est jouable dans Mario Kart. Oui, je vous invite à aller voir mon let's play pour voir Funky faire du kart. Wrinkly, la mamie, qui a été créée tout comme Swanky pour cet épisode de Donkey Kong Country 2. Cranky, qui revient, qui était déjà dans le premier, mais qui a deux cannes maintenant. Donkey, bien sûr. Oh, pauvre Donkey. Dixie, la nouvelle arrivée, la géniale. Quand est-ce que tu viens dans Mario Kart, toi, ma petite Dixie? Je t'adore trop. Et Didi. Le nouveau héros. Yes, Kirby Kong Crew. Et voilà. Programmeur en chef adjoint. Alors, vous voyez des noms qui ne sont pas japonais, c'est normal, hein. Le jeu n'a pas été programmé au Japon, hein. C'est un jeu de Rare, donc c'est un jeu britannique. D'où les noms qui sonnent anglais. Il était vraiment très très bien. J'ai hâte de lancer le 3 aussi. Le 3, c'est un souvenir assez particulier pour moi, parce que c'est un cadeau très marquant de ma maman, qui m'a fait une très très belle surprise, je me souviens. Pour Noël. Incroyable petite maman. Ah là là. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Donkey Kong Country. Enfin, c'est vraiment une licence qui est très très rattachée à ma maman dans mes souvenirs. Donc du coup, j'aime beaucoup. Je en reparlerai pour voir si elle se souvient de ce cadeau.
Ah là là. Bon, on n'a pas fini hein, cette mission. Comme l'a dit Cranky, il faut qu'on trouve tous les jetons et qu'on trouve toutes les pièces Donkey. Et c'est pas forcément évident. Il faut qu'on aille jusqu'au 102%. On a déjà fait plus de 60%, c'est quand même déjà pas mal. Je crois qu'on a un projet 70 là. Donc il va falloir qu'on fouille. J'essaye de le faire sans Solus, évidemment. Si vraiment je bloque trop à certains endroits, à certains niveaux, je m'autoriserai à aller voir une Solus. Mais on va refaire d'abord tous les niveaux une fois sans Solus. Une ou deux fois en fouillant bien. Peut-être qu'on sera inspiré pour trouver toutes les cachettes. Normalement, c'est pas trop difficile quand on fouille bien. Et comme je connais un petit peu leur logique. Véronique Chantel qui a participé à la traduction. Véronique Chantel à qui l'on doit aussi la traduction de Secret of Mana. Assez connue, Véronique Chantel. Beaucoup d'anecdotes à son sujet. Elle était sur tous les jeux Nintendo à l'époque. Hein. Elle a traduit un nombre incalculable. Génial comme métier, traducteur de jeux vidéo, c'est... Ah là là. La Super Nintendo, c'était quand même une période assez... assez dingue, je trouve. C'était la première période d'ouverture au grand public du jeu vidéo, à mon sens. Enfin, grande période. La NES, bien sûr, y a contribué, mais la Super NES... Enfin bref. Énormément d'amour pour cette console. C'est pour ça que avec plaisir, je refais ces jeux sur ma chaîne. Super Mario World, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, The Legend of Zelda Link to the Past, et tant d'autres que je ferai avec un immense plaisir. Yoshi's Island, enfin bref. Entre ceux que j'ai déjà fait et ceux que je compte faire. 73%. Alors, il m'a dit appuyer sur L ou R. Ah, d'accord. Que dalle! Aucune amélioration depuis votre dernière visite. Allez me chercher ces pièces et arrêtez de me faire perdre mon temps. Ok. Alors, du coup. Revenons un peu au galion de la galère. Point d'exclamation. Vous avez vu? Alors, attends, je remontre. Galion de la galère. Ah, mince. Star Select, classique. B. Je fais pas B en fait. B. D'accord, on ne peut que valider. Ah, mais je voulais montrer. Comment je fais pour repartir? C'est gratuit ou pas maintenant? Les Wolfunky. Excellent les gars, maintenant on s'occupe de Carol, il est vraiment pas cool. Alors, voyez, galon de la galère, point d'exclamation. Parce que ça veut dire que j'ai tous les niveaux secrets. Mais j'ai pas toutes les pièces d'Ike. Donc, où est-ce que je les ai pas? Où est-ce que je ne l'ai pas? Passerelle de la galère, par exemple. On va fouiller. Bon, ça, pas la peine. J'ai. Ah, mais c'est le niveau où il y a la nuit qui tombe. Alors, il faut trouver. J'adore déjà. Le temps que met la musique à arriver et tout pour se mettre dans l'ambiance avec le bruit des les grincements du bateau. Ok. Laisse-moi regarder un peu partout, je fouille. Donc c'est comme ça, on va devoir fouiller. Fouille, fouillette. Tac, tac. «
Bon, les vides en général, c'est des vrais vides, donc on va pas s'amuser à les tester. Il y a un indice en général, si c'est pas un vrai vide. Là, par exemple... Ça, c'est juste pour atteindre le bonus, mais... Ça, j'ai déjà eu. J'ai tous les bonus ici. Padam. Ok, attention, alors là, regarde bien, est-ce que tu vois quelque chose? Non, hein, y a rien. Oh putain, mais où est-ce qu'il peut être? Putain, c'est fou. Doucement. Bon. Ah non, vraiment, là, je suis... Aucune idée de là où peut être le diquet. Quand je vous disais qu'ils sont bien planqués parfois. À part un vide ou un truc en l'air où j'ai pas fait gaffe. Ah, oh, c'est le seul qui me manque en plus. Ah, c'est frustrant. Bon. Tant pis. Tiens d'ailleurs, kiosque de club. Hein. Alors ici j'avais déjà payé. Hein. Et j'avais déjà fini celui-là. Il va falloir qu'on fasse tous ces niveaux spéciaux aussi. Ça promet. Complainte de canon. Alors ici manque, pareil, le jeton d'Ike. Ah mince, mais j'avais pas vu qu'il avait repopé. T'es mort. Mince. Oh mais... Petite crotte. Bon, j'ai toutes les salles bonus, là, c'est vraiment juste le DK qu'il me faut. Allez, casse-toi, Didi. Ah, mais... Hein... Le DK peut pas être là, de toute façon. Non. Non, il est jamais dans une salle bonus quand même. Ce serait au-delà du vice. C'est pour bien vérifier que tu sais faire les échanges entre personnages.
Je ne sais pas si je suis dans le bon sens ou pas. Je crois que oui, en fait. Et bah voilà. Là c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, il y avait le haut. Il y a plein d'endroits cachés là. En même temps tu joues mal la loue. Oh, après avoir battu le boss avec autant de classe et d'élégance, franchement, on peut bien se permettre un peu de vacances. Ok. Donc là on s'en fout. Par exemple là à droite. Ok, y'a rien. A priori. Le truc c'est qu'on peut même pas refaire tout le niveau de haut vers le bas parce que sinon ça te tue en fait. Arbitrairement il va te dire ah non par là c'est la mort en fait. Ça on l'a fait. Regarde si je fais ça. Bah, on peut le planquer ici. Même là encore après. Hein. Bah c'est malin. Pour vérifier, c'est pas une petite banane quelque part ou un truc comme ça. Un petit indice souvent qui dit tiens, faut aller par là en fait. Genre là. Bon, là y'a rien. Ça marche pas tous les coups. Hein. T'as aussi juste des bananes qui existent parce que ce sont des bananes. Je vais mourir. Là on peut regarder, on peut en profiter, bon on voit rien. Il y avait rien. Tiens. Allez, zou. J'ai eu du bol, hein. L'explosion, elle pète le... Hop, elle pète le boulet. Le N est là. Ok, donc là, c'est pour te montrer le bonus. Mais le bonus est par là, donc on s'en fout. On s'en fout du bonus, ouais, déjà. Oh purée. Thank you.
bien le cacher en hauteur, ce serait bien leur genre. Saute pas, hein. Ok. On a dû le louper plus tôt. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas faire le niveau du haut vers le bas parce qu'il y a des zones qui sont considérées comme des zones mortelles de manière un peu arbitraire. On peut quand même faire une bonne partie comme ça. Hein. Dommage. Récupère Dixie. On a besoin de son talent. On va balayer la zone. Youhou. Bah si, en fait on peut le faire comme ça le niveau. J'étais sûr qu'on pouvait pas. Donc on est revenu vraiment au début du début du début, hein. Et je n'ai pas du tout vu où il pouvait être. Bon. J'ai fait toute la droite. Peut-être que si je fais toute la gauche. Oh, très honnêtement. Ouais, j'allais dire. Honnêtement, peu de chance. Bah non, bah ça résistera. Écoutez, il va falloir qu'on fouille dans les prochains épisodes. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous invite à aller voir mon let's play de Donkey Kong Country 1. Et on se retrouve très vite pour la suite des cachettes et des secrets de Donkey Kong Country 2. Ciao, ciao!